dépistage organisé, c'est donc une invitation que reçoit chaque femme à partir de 50 ans à aller réaliser une mammographie dans le cabinet de son choix. S'il est organisé à partir de 50 ans, c'est que le risque de trouver quelque chose est quand même plus important et se majore chaque année. Et on peut très bien comprendre que les gens, les femmes, n'aient pas forcément envie de se rendre à ce qu'on appelle l'invitation, parce que finalement, une invitation, c'est plutôt agréable, convivial, et puis là, on ne le voit pas forcément comme ça. Prendre un rendez-vous, y aller, attendre le résultat qu'on voudrait avoir tout de suite, et puis aussi se souvenir qu'on recommencera dans 2 ans. Mais cette contrainte, c'est justement notre chance d'avoir des dépistages d'une maladie qui est fréquente et pour laquelle il est difficile de savoir qui va avoir ou qui ne va pas avoir. On dit toujours, bah oui, ça existe, hein, une telle a été atteinte de ce cancer. Et on se dit, non, pas moi, j'ai pas de facteur de risque. Moi-même, je n'avais quasi pas de facteur de risque. Il n'y avait rien dans la famille, c'est pas un cancer génétique, c'est pas... Bon, le dépistage a fait que, voilà, hein, il a fallu entreprendre des soins. Mais grâce à ce dépistage-là, j'ai eu la chance en fait d'avoir une prise en charge au tout départ et d'éviter de lourds traitements qui auraient pu dégénérer. La double lecture a montré un nodule, hein, alors que 1 an et demi auparavant, à la précédente mammographie, je n'avais rien. Elle a montré un nodule qui était petit, sans signe de gravité à ce moment-là. La double lecture a dit qu'il fallait faire un contrôle à 6 mois, contrôle que j'ai fait. Et là, le nodule avait doublé de volume, donc nécessité d'une prise en charge plus lourde, donc avec biopsie. Et ensuite, c'est là où on a remarqué les signes de malignité de ce nodule. Prendre, tout de suite les choses en main, ça peut éviter toute une prolifération et une aggravation de la maladie. Le message que je veux faire passer, c'est absolument passer outre la peur, l'angoisse de subir ces examens qui sont absolument, indolores.